Salam alaikum, Majoul Fellon, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je me rappelle qu'on fait connaître que je vais Bissaraha. Compromis, un texte, une expression, une opinion, une chronique. Lium, je vais vous lire une petite chronique que j'ai mis à l'honneur de Jamel Ismail, la Ramou. Tout le monde se souvient du meurtre abominable de Jamel Ismail qui est survenu le 11 août 2021 à l'Arba'a wilayat à Tizi Ouzou lors de son lynchage par une foule qui l'accusait malheureusement à tort d'être l'auteur des incendies que cette région a connus. Donc voilà, donc j'ai pensé lui rendre hommage. Allez, c'est parti. Jamel Al-Rahmak. L'étymologie du prénom Jamel est la beauté. Mieux encore, le caractère du prénom Jamel énonce la créativité, la passion et l'admiration par autrui et les liens qu'il peut tisser avec ses proches et la société qui l'entoure. Le prénom Jamel, comme par hasard, est un prénom distingué et célèbre. Jamel Amrani, l'écrivain, Jamel Mati, le romancier, Jamel Allam, le chanteur, Jamel Belmadi, l'entraîneur. Ce prénom Jamel a le sens du devoir et il aime rendre service. Attentif aux autres, il ne veut en aucun cas leur causer du tort. Il peut se montrer très tolérant quand il s'agit de ses proches. Les liens sociaux et les amitiés sont en effet très importants pour lui. Il n'est jamais brusque ni oppressant. Par contre, il est plus sensible que la plupart des hommes. Cette qualité peut parfois le rendre vulnérable, oui. La vulnérabilité décrit la fragilité et la faiblesse. Notre Jamel a des partitions musicales. Il œuvre à sa façon, sa passion pour la vie est indéterminable. Il voulait la ressentir, la croquer, la savourer, la ressentir, la chanter, l'aimer tout simplement. Affectionner la vie est légitime. Jamel n'a pas eu le temps d'avoir d'autres coups de cœur, d'avoir du goût pour autre chose, d'avoir porté dans son cœur d'autres personnes, petits ou grands. Il n'a pas eu le temps d'avoir d'autres coups de foudre. Jamel, au contraire, a reçu des coups fatals dans son cœur, de la trahison, de la lâcheté, des abjections. Il a vécu l'intolérable et l'inqualifiable. Certains insignifiants et destructeurs n'ont pas fusionné avec son âme pour changer leur conscience et leur compassion. Dommage, ils auraient pu connaître l'amour et la douceur de Jamel, malgré son absence, est devenu une illustration, contrairement aux exterminateurs qui sont devenus la dérision, le sarcasme, la crasse et la vermine à l'échelle nationale. Jamel, crois-moi, tu éveilleras les consciences et la croyance pour une Jazer propice et accaparante. Jamel, promis, tu ne seras jamais loin ni ailleurs, tu seras haut, plus haut que la noblesse. Tu seras tout simplement dans un monde qui prône la grandeur d'Allah. Chers compatriotes, te rendre hommage est une distinction, est un devoir de ma part. Grâce à toi, tu as renforcé et cuirassé mon amour et mon patriotisme pour cette Algérie qui éloge ton nom, ton prénom, scintillera dans chaque rue, chaque boulevard, chaque commune et chaque ville. Et il est déjà une étoile qui l'accolade, l'étoile rouge de notre emblème, qui encore une fois, grâce à toi, reconnaîtra ses frères et ses sœurs et ses détracteurs. Jamel, Allah yarhamak. Alors, les amis, je ne sais pas si vous vous souvenez du dessinateur Slim, la bande dessinée qu'il a effectuée il y a longtemps, dans les années après l'indépendance, dans les années 70, qui a fait très sympa comme bande dessinée, Zidane et Abouzid. Sur ce sujet, je vais vous lire quand même une chronique sur ce dessinateur et puis parler un petit peu de cette époque-là, en évoquant bien sûr Zine Bouzid. Je vous adresse un souvenir égayant
qui a fait des lecteurs heureux dans notre grande déchara dans les années 70 et 80. Vous les avez certainement reconnus, c'est Bouzid et Zina. Zina, Bouzid, Zina et Bouzid. Au pays de Sidi Besbes, des personnages ruraux créés à Ben Aknoun, à Alger, en 1964, par le dessinateur Slim, de son vrai nom, Monsieur Menwar Merabten. Il est né le 15 décembre 1945 à Sidi Ali Ben Youb, près de Sidi Blabès, dans l'Ouest d'Alger. Sidi Menwar est un dessinateur de presse et auteur de bandes dessinées. La rencontre de Bouzid et Zina se fait non loin de Oued Chicha, d'où était originaire Zina. Mais Bouzid est un aventurier, il ne se mariera jamais avec la bande Diallo. Oui, parce qu'avant les femmes étaient des bandes, maintenant c'est des pétards ou pire, fichfaïcha. Bref, Zina et Bouzid, nom indissociable de l'expression Zidi Bouzid, entrée dans le langage populaire algérien. Elle a même inspiré une autre expression populaire qui Zid Nsmewa Bouzid. Ah, le bon vieux temps, comme le disait bien Slim, avant c'était mieux. Avant, il y avait Nif, on fumait les cigarettes à phrase, on achetait pantalons et robes aux galeries algériennes, les mocassins chez la Sonipec du coin, on allait chez le coiffeur pour une coupe d'Algérie, c'est-à-dire une coupe rock'n'roll, les hommes voulaient une coupe à l'Elvis Presley ou à la James Dean, pour les femmes, coupe à la Victoria principale, Pamela Wing, Pamela Bass et Wing, s'il vous plaît, dans la série Dallas. Ou à la Ward al-Jazairia. Je peux vous dire que les séchoirs dans les salons de coiffure à cette époque chauffaient comme de la braise. Sans oublier les vestes et les parkas chez Sonitex. Les courses alimentaires venaient de Souq al-Fellah. Quand on avait soif, c'était Gazouza Beda, Hamra ou Kahla ou la Safara. Et pour les plus chichi, une Orangina ou Martinazi. Martinazi. Avec son goût, il mâche la mer. Pour se protéger du soleil, soit lunettes. Mad. In RDA, République démocratique allemande, avant la chute du mur de Berlin, pour les plus jeunes, ou des lunettes Loza Sport, qui sont maintenant dans la catégorie vintage, et qui coûtent actuellement 123 euros, vous imaginez, rien que ça. Quand on voulait voyager et quitter le territoire, il fallait une autorisation de sortie. Notre régime politique était le socialisme. Quand on s'ennuyait, on disait « Rani ki malgatal mbigouti ». À cette époque, tous les hommes avaient une moustache. Les week-ends, les couples étaient de sortie, bien habillés, fringués, parfumés, séchoirisés. Les salles de cinéma étaient bondées. Les salles de théâtre chantaient avec les Ramsès, les Abranis, les T34, Cricri de Constantine et autres. On allait chez le tabac et journaux du coin pour réserver le magazine Pif Gadget. Les sorties des lycées de jeunes filles étaient immanquables par la présence lointaine et discrète des jeunes paparazzi algériens. La Iberg, c'était un défilé de mode, démarche, élégance, classe et tempérament. Même Hollywood ne pouvait pas faire mieux. Oui, avant c'était Zid Yabouzid, El Jazeera était Filmoufid. Atekoum Saha, Tahia El Jazeera, ou Tahia Deshart El Jazeera, ou Tahia Zina Yabouzid. Merci beaucoup. Voilà, c'était la chronique du jour. Merci à vous. J'espère que vous vous portez bien. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Ma salama. Hata gore nde wawe hepte jam, jam bolo jam. Jam uji jam majipe. Mbwadi yima potal, potal ender lay dele.